العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله le prophète صلى الله عليه وسلم a fait un dua pour Sayyidina Ibn al-Abbas. Ibn al-Abbas lui a dit qu'Allah lui donne la connaissance de la religion. La jurisprudence fait partie de la connaissance. Comme si la jurisprudence est liée au corps et la spiritualité est liée au cœur. Il faut les deux. Aujourd'hui, on va voir la jurisprudence de l'Ovo, les ablutions, les petites ablutions. Mais avant ça, je vous ai dit, il y a un joli hadith que j'ai lu juste concernant l'importance de l'Ovo. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui fait les ablutions comme il lui a été ordonné et prie comme il lui a été ordonné, il lui est pardonné ses péchés précédents. C'est simple. Je vous ai dit, le prophète était envoyé en tant qu'enseignant pour nous faciliter la vie. Alors, maintenant pour faire les ablutions comme il faut, voilà les règles à respecter. Sont simples. Vous les respectez, mais juste un petit rappel parce qu'on a besoin toujours. Alors, les piliers de l'Oudo. Qui peut me dire quels sont les piliers de l'Oudo? Arcane l'Oudo. Laver les bras. Ça, ce n'est pas obligatoire. On va voir. Ça, c'est une sunna. Laver les bras d'ici jusqu'au coude. Après, fard. C'est l'arcane. Le visage, salam alaykoum. Le nez et les sunna. Je t'ai dit, c'est facile. Laver les pieds et passer les bains mouillés sur les cheveux une fois. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Ça, c'est une sunna. Après, nous avons l'intention qui est obligatoire. Le frottement. Hein? Ça dépend des écoles. Et aussi l'enchaînement. Hein? Il ne faut pas laisser un laps de temps entre laver les mains et essuyer les cheveux, d'accord? Donc on va voir tout ça, c'est marqué فرائض الوضوء سبعة وهي. Donc les ulama en arabe, ils ont fait ça comme un poème, donc pour faciliter l'apprentissage. Et ça c'est Ibn Ashr, maintenant Ibn Ashr, il est enseigné à Jam' al-Zaytouna, bien sûr, il est très connu comme poème. Il est composé de 314. Il a 314 vers au nombre des prophètes. Ça concerne trois parties de la religion. La jurisprudence, la foi et la spiritualité. C'est complet. Et les gens du désert, surtout, hein, et quelques, bien sûr, en ville aussi, apprenaient ça, connaissaient ça par cœur. Ils répétaient ça chaque jour. C'est comme une chanson pour eux. Hein. Ou même ils cherchent la baraka grâce à ce poème. Donc dans les fêtes ou bien comme ça, ils répètent ce poème. Très très joli. Donc là, il a résumé les piliers des ablutions. D'accord ? فرائض الوضوء سبعة وهي دلك frotter, on va voir ça. وفور نية في بدئه ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع العرض هذه أنواع النية وغسل وجه غسله اليدين غسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين شوف ربي كيفاش
يسر له في بيت أن يأتي بأربعة فروض، شيء عجيب. والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين. Alors, ici, on va voir voilà. Alors, les piliers de l'ablution sont au nombre, les piliers, donc ce qui est obligatoire, ils sont passés le dessous de la main sur la partie lavée. Parce que chez les Hanafites, ça, ce n'est pas une obligation. Donc, tu peux mettre la main sur le robinet comme ça. Il faut que l'eau touche toute la partie, tout l'organe. Non, chez les Malikites, tu dois passer quand même. Là, par exemple, on fait ça. Et puis là, c'est ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Chez les Malikites, c'est obligatoire. Voilà. Je ne sais pas chez les Hanafites si c'est obligatoire ou pas. Mais chez les Malikites, c'est obligatoire de passer la main. D'accord ? Deuxième, ça c'est aussi le frottement. Mais pas nécessaire, juste passer la main. Tu n'es pas obligé de frotter. Comme ça, tu passes la main. La deuxième, la suite, la suite et la continuité dans l'accomplissement, l'enchaînement des actes de l'ablution. Donc, il ne faut pas laisser un temps entre laver la bouche et laver le visage et laver les bras jusqu'au coude. D'accord ? Ça peut t'arriver, par exemple, d'ouvrir la porte, mais tu reviens vite. D'accord ? Et tu continues tes ablutions. Il ne faut pas rester une heure. D'accord ? C'est les lois, c'est comme ça. On ne peut pas répondre au téléphone. Répondre, voilà, voilà. Après, je reviens, je lave les pieds. Je dis, j'ai le temps. Non, il faut. Donc, ça, c'est une obligation. L'enchaînement. Hein, donc, la continuité, la suite. Commencer par une intention. L'intention est bien sûr importante. Mais dans le cœur, tu n'as pas besoin de la formuler. D'accord, hein? Obligatoire. Mais obligatoire. Hein, donc. C'est-à-dire, si tu vas vers la salle des ablutions, tu as déjà fait l'intention. Parce qu'il y a l'intention, je fais le veau pour me rafraîchir. Okay. Non, ça, c'est pas valable pour la prière. D'accord ? Je fais le veau pour la prière. Voilà. Et là, il a un peu détaillé, il a dit, et la personne formulera l'intention de se débarrasser d'un état d'impureté rituelle, d'accord ? Par exemple, pour se débarrasser de l'état d'impureté mineure, lever ce qui a annulé son ablution, parce que, par exemple, une relation sexuelle, ou par exemple, il a perdu ses ablutions, donc il veut annuler la chose qui l'empêche d'adorer Allah Azza wa Jal, en faisant les petites ablutions ou les grandes. Ou l'intention pour pouvoir accomplir les actes rituels, ou l'intention pour accomplir les ablutions. Voilà, tu as le choix, c'est simple, tout simplement. Alors, quatrième pilier, laver le visage. Alors, ça veut dire quoi laver le visage? Du front jusqu'au menton. Et entre les oreilles, ici. C'est toute cette distance. D'accord ? Voilà. وَالْفَرْضُ عَمَّ مَجْمَعَ الْأُذْنَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ عَمَّ وَالْكَعْبَيْنِ. Et la partie à laver obligatoire... Cinquièmement, et le lavage de ses deux mains et avant-bras jusqu'aux coudes. D'accord ? Essuyer la tête une fois, ça c'est obligatoire. Et le lavage des deux pieds. Et la partie à laver obligatoirement est située entre les limites horizontales et verticales du visage. Pour le visage,
pour le lavage de visage. Donc, du front jusqu'au menton. Et également, les deux coudes, lavage des mains et avant-bras jusqu'au coude, en incluant les coudes. D'accord ? Il ne faut pas s'arrêter ici. Laver les coudes. Et les deux chevilles aussi. D'accord ? Inclure les chevilles dans le lavage de pieds. Est-ce que c'est clair? Les piliers, ça va. Qui peut nous rappeler les sept? Les sept. La première chose, c'est quoi? On va commencer par l'ordre. L'intention. Après, le visage. Le visage. Les mains jusqu'au coude. Ça, ce qui est obligatoire. Les cheveux, les pieds. Passer la main. Donc, il faut essuyer la main. Essuyer avec la main. Quand tu veux tu déverses de l'eau, il faut passer, comme il a dit ici, passer le dessous de sa main sur la partie lavée. Adelku, al-faur, c'est la suite, la continuité. Il faut pas couper. Voilà, c'est ça. Trois qui sont un peu qui sont pas visibles, l'intention, la continuité, passer les mains sur la partie lavée, ça c'est. Et les quatre, ces quatre membres de notre corps, le visage, les mains jusqu'au coude, les cheveux et les pieds. Voilà. Maintenant, on va voir. Quand on dit les piliers, ça veut dire si vous oubliez un seul de ces obligations, de ces sept choses. Oui. Votre ablution n'est pas valable. Maintenant, les sunan, mais il y a un point ici. خَلِّ الْأَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَشَعَرْ وَجْهِنْ إِذَا مِنْ تَحْتِهِ الْجِلْدُ ظَهَرْ. Alors, frotte entre les doigts de tes deux mains. Alors, cette partie fait partie de la main. On a dit, tu commences par le doigt jusqu'au coude. Les coudes sont inclus. D'accord? Mais cette partie et cette partie fait partie de le lavage de. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. Quand on fait la main, on fait comme ça et comme ça. Et aussi comme ça. D'accord? Il ne faut pas oublier. Autre chose. J'ai une petite barbe comme ça. Arben aussi, mon frère, qu'est-ce qu'on fait? On doit vraiment faire pénétrer l'eau jusqu'à la peau. D'accord? Il faut que l'eau touche la peau. Voilà, ça c'est les obligations. Maintenant, les sunan. Les sunan, alors il a dit, sunanuhu sab'u ibtida ghaslul yadayn wa raddu mas'hi ar-ra'si mas'hu al-udhnayn. سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين. Alors les sunan sont au nombre de sept. Commencez par laver les deux mains avant de les plonger dans le récipient. C'est une action méritoire d'avoir un récipient. Donc tu peux utiliser les robinets, mais c'est encore mieux si tu consacres un récipient pour l'eau d'eau. Et comme on l'a dit, Sayyidina Muhammad a lavé un récipient spécial et lui a donné un nom. Et les enfants viennent pour chercher la baraka dans ce récipient. Ils buvaient de ce récipient et tout. Aujourd'hui, regardez tout ce que nous jetons dans la déchetterie. Les objets n'ont pas de valeur. Gaspillage. Alors, un récipient dans ta salle de bain, tu le remplis avec de l'eau et tu le mets à droite.
Avant de plonger la main dans le récipient, tu déverses une petite quantité pour laver les mains. Ils sont sales, tu es en train de dormir, tu te lèves de ton lit, donc tu ne sais pas où tu as mis tes mains. Donc le mieux, c'est de laver, c'est une sunna. Ça, ce n'est pas une obligation. Ça veut dire quoi, pas obligation? Des fois, tu es pressé, tu n'arrives pas vraiment à faire tout comme il faut. Alors dans ce cas-là, tu prends de l'eau, tu commences par le visage. Les mains, une fois comme ça, et les pieds. 10 secondes. Et ton eau est valable, alhamdoulilah. Tu travailles, Allahu a'lam, ça nous arrive, subhanallah. Pour rattraper, j'arrive vers la fin de la prière. Et je veux rattraper la dernière raka. Alors je fais mes ablutions en respectant uniquement les piliers de l'eau. Par exemple, j'ai une petite quantité d'eau des fois. D'accord? Je fais quoi? Je fais la même chose aussi. Je respecte les piliers uniquement. Commencez par laver les deux mains avant de les plonger dans le récipient. Donc là, parmi les actions méritoires, on va les voir, mettre le récipient à droite et déverser une petite quantité dans la baignoire, hein, à côté de la baignoire, il y a le bord là, tu mets le récipient et tu déverses, ou bien sûr dans le lavabo, sur le lavabo. Hein. Après, tu laves les mains. Commencez par laver les mains, les deux mains, avant de les plonger dans le récipient. Faire un second passage au retour en essuyant la tête. Ça, c'est obligatoire. Le deuxième, le retour, est une sunna. Est-ce que c'est clair? Essuyer les oreilles. Ça c'est aussi, c'est une sunna. Quand on dit sunna, bien sûr, on va la respecter. Parce que l'adoration, c'est quoi? C'est pour remercier Allah Azza wa Jalla. D'accord? Nous adorons Allah pour lui dire merci pour la santé, pour l'argent, pour les enfants, pour tout. D'accord? Et lorsque tu parles, ou bien lorsque tu offres quelque chose à un roi, tu dois hein, l'emballer, hein, être en ordre. Voilà, joli cadeau, hein, un beau cadeau. D'accord? Un parfait cadeau. Tu ne dois pas l'offrir le minimum, hein, comme ça, non, emballé et tout. Tu dois l'emballer, le faire joli. Hein, d'accord? Et les sunan rendent ton adoration belle. Les sunan tu zayin ou tu kammel al-ibad. C'est pour parfaire vraiment l'adoration. Donc, il ne faut pas dire sunna, je peux les écarter. Non, non, non. Si tu as le temps, vraiment, cherche l'excellence. Faire un second passage au retour en essuyant la tête, essuyer les orteils, les oreilles. Madmadatun istinshaqun istintharu tartibu fardihi wa dhal muhtaru. Rincer la bouche, aspirer l'eau dans le nez, expirer l'eau aspirée, donc aspirer, expirer, exécuter les parties obligatoires, qu'on a vu les quatre, dans l'ordre approprié. Est-ce que c'est clair ici? Donc nous avons sept. Qui peut me rappeler les sept sunan? Sunan, ça veut dire quoi? C'est surrogatoire. C'est un plus. Hein? Alors, je vous dis, laver les mains jusqu'au coude, est-ce que ça c'est obligatoire ou surrogatoire? Sunna. Obligatoire. Rincer la bouche. Rincer le nez. Ah, voilà. Les oreilles. Les pieds. Obligatoire. Le retour. C'est sunna. En essuyant la tête. Et l'aller, obligatoire. Laver les mains, juste les mains, c'est jusqu'au poignet, c'est une sunna.
Mais il faut les relaver lorsque tu arrives à laver les bras et les mains et l'avant-bras. D'accord? Oui, si vous avez une Sur question. les bras, Oui. une fois qu'on a fait, Oui. c'est encore une fois passer la main comme ça ou c'est comment? Alors, la sunna aussi, on va voir après, c'est une parmi les actions méritoires, c'est trois fois. Oui, c'est ce que je fais, mais là, comme tu dis, c'est une fois l'an passé, puis repasser encore une fois la main comme ça ou c'est déjà fait si je peux Non, ça faire. c'est une Si tu fois. peux, voilà, ok. Ça c'est une deuxième fois. Ouais, Et sur ça. troisième fois. Genre, on ne revient pas comme tu dis faire ça, non? Ah, il faut vraiment que l'eau arrive à toucher toutes les parties du membre. Faut pas oublier entre les doigts, d'accord? Puis viennent 11 fadaïl, préférence au méritoire. Alors, je vais juste chercher. Alaykoum salam wa rahmatullah. Désolé, j'ai pas vu ma soeur Hanan, ma soeur Farida, ma soeur Mariam. Salam alaykoum. Alors, Wa alaykoum ça va, vous allez bien? salam wa rahmatullah Alhamdulillah. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez maintenant l'écran? Puis viennent 11 fada'il. Très bien. Très bien. Oui, on voit bien, cher. Voilà. Oui, on voit Salam alaikum Bilal. Alors, vous savez, shukran, vous savez, à l'époque de Sayyidina Mohammed sallallahu, les compagnons ne parlent pas de ce qui est obligatoire. Pour eux, c'est acquis. Ils parlent de ça, de ce qui est surrogatoire. Pourquoi? Ils veulent faire mieux. Subhanallah. Ils cherchent à faire plus. Donc, leur question, c'est toujours lié aux actions méritoires. Comment faire mieux? Hein? C'est l'excellence, c'est chercher l'excellence. C'est pour ça, nous aussi, normalement, là, on parle à la complète. Oui. On parle sunna. Juste quand on dit sunna, juste si on oublie, par exemple, on dit c'est pas grave, on a oublié. En Oui. fait, quand on fait l'ablution, on fait avec le sunna, avec le sunan et avec les obligations. Donc, on essaye de faire nos ablutions avec ce qui est obligatoire, ce qui est sunna et ce qui est méritoire. Mustahab, c'est encore plus. Alors, salam alaykoum. Alors, puis viennent 11 fada'il. Taqlilu ma'in. وتيامن الإناء والشفع والتثليث في مغسولنا ليت كان ولادنا يحفظوا الشعر هذا ولا نحفظوه احنا والله يكون nous les arabes on doit apprendre ça c'est pas difficile la tête elle est remplie par pas beaucoup de choses inutiles vaut mieux subhanallah à apprendre tout ça. Réduire l'utilisation de l'eau à un minimum. Ça, c'est هذه من الفضائل. تقليل الماء. لذلك اش قلنا. وتيامن الإناء. الأصل يكون عندك إناء خاص بالوضوء في بيت الحمام. وتضعه على اليمين. Donc, deuxième, mettre le récipient d'eau dans lequel on plonge les mains du côté droit. سبحان الله.
والشفع والتثليث في مغسولنا لافي شاك مومبر كونسيرني بار لو لافاج دو او تخوا فوا. الغسلة الثانية والثالثة نتاع العضو هي من الفضائل. واضح؟ طيب، بدء الميامن سواك وندب ترتيب مسنونه أو ما أو مع ما يحب. Commencez par les membres de droite avant ceux de gauche. Commencez par la droite. هذه فضيلة من الفضائل. عند ربما الفقهاء الاخرين يعتبروها سنن كل سنن. Utiliser un cure-dent en bois naturel est également recommandé. Ou le dentifrice. Les ulama ils ont dit aussi si tu n'as pas le cordon, le siwak, tu peux utiliser le dentifrice. معجون الاسنان السيواك فان لم تجد ف معجون الاسنان مع متى؟ قالوا عندما تصل إلى الفم. قالوا قبل الوضوء وقالوا بعده. Il y a plusieurs avis. Comme cela, ils ont dit au moment où tu rinces la bouche, tu peux prendre ton dentifrice et te rinces la bouche. Et ça, c'est une vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur l'importance de rincer la bouche avec un dentifrice ou bien avec siwak. Donc le musulman, normalement, il ne doit pas aller chez les dentistes. 5 fois par jour, on doit rincer la bouche et on doit utiliser le dentifrice. Dans chaque prière, minimum. Hein, subhanallah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ça, c'est une action méritoire très, très importante. Il a dit, l'ange Gabriel m'a recommandé de rincer la bouche avec le cordon en bois naturel, donc le siwak. Le siwak, on l'a acheté là-bas. Oui. Mais là-bas, c'est autre chose. Donc ça, c'est une recommandation. D'exécuter les actes sunnah des ablutions dans l'ordre approprié. Ou bien respecter l'ordre des sunnah avec les obligations. Donc, commencer par la main, la bouche, le nez, le visage, les mains. Après, les mains, passer les mains mouillées sur la tête et le retour. Après, les oreilles. Donc, respecter l'ordre et entre les sunan et les obligations, ou bien respecter l'ordre des sunan. Et c'est aussi une parmi les actions méritoires min al-fada'il. Ou si je commence comme ça, c'est mon wudu est valable ou pas? Là où badatu fi masah al-ra's min al-khalf. Oui. Ahna mon nahnu hakala. Ou badak tarja' kaman ila. La, khallina fi al-oula. La première. Pour la première, j'ai commencé par la fin, comme ça. Est-ce que mon wudu est valable? مرة واحدة تكفي. لكن لو بدأت بالخل بالعكس. Si je commençais. هي مرة واحدة تكفي بس إنه تقدمها وتأخرها. هذه كسنة. الترجيع هذه كسنة. طيب خلينا في الأول. في الفرض. بدأت من الخلف. J'ai commencé par la nuque. J'ai fait comme ça. Est-ce que mon wudu est valable? الفرض هو مسح الرأس ها سي فالابل مي جي با ريسبكتي اون اكسيون ميريتوار دونك لاكسيون ميريتوار سي كومونسي بار لو فرون داكور سا سي ميريتوار كومونسي ديسويي ليسوياج دو لا تيت de la tête de la partie antérieure depuis l'endroit où les cheveux poussent. Il y a un char, 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 pour celui qui a des cheveux.
ايوه نعم. وما عندك عم بتمسح راسك. نعم. يقدر تقدير. نعم. Frotter avec ses doigts entre les orteils de ses pieds. Ça, c'est une obligation. Frotter avec ses doigts entre les orteils de ses doigts. Entre les orteils de ses pieds. Est-ce que ça, c'est une obligation? Ou sunnah ou une action méritoire? Action méritoire. Elle est mise à l'fadha'il. ليست من السنن يعني ربي خفف علينا وإلا يشق عليه ça c'est une facilité pour nous imaginez dans chaque prière tu dois frotter les os c'est compliqué voilà alhamdulillah mais si on t'oblige tu vas dire c'est trop mais si on te dit ça c'est une action méritoire tu vas chercher à la faire regardez la psychologie islamique hein هذه رحمة الإسلام يخلي الإنسان هو اللي يرغب في فعل الخيرات il te demande le minimum après il te dit le reste c'est méritoire tu fais quoi tu vas chercher plus سبحان الله هذا الدلالة عن الدين هذا من عند الله هذا الدلالة ça c'est la preuve que cet islam émane de celui qui a créé notre psychologie سبحان الله تخليل أصابع بقدمه وبدء مسح الرأس من مقدمه وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد يعني يكره أن تزيد على ثلاثة مرات ما بنعده يجوز يصير أربعة بس ما مقصودة يعني أي حاول أن تلتزم بأربعة ثلاثة essaye vraiment de faire trois tu fais pas plus d'accord Et il est déconseillé d'excéder le nombre prescrit indiqué des répétitions, c'est-à-dire trois fois pour le lavage et une fois pour l'essuyage des oreilles et de la tête en aller puis en retour. Yani, le tfadl marhaba. Il y a une chaise ici. Donc il ne faut pas faire trois fois les oreilles, par exemple. L'essuyage des cheveux, il ne faut pas faire trois fois. Je pense chez nos frères et sœurs chéfirites, ils font trois fois comme ça. Ça, c'est une sunna, je pense, chez eux. Mais je parle ici de la doctrine malikite, عند المالكي. يعني مش مستحب أنك تعمل ثلاثة لا مكروه معنت أنك تعمل ثلاثة مرات الرأس أو تزيد عن ثلاثة مرات في غسل اليدين. أو الوجه أو زيادة في العضو أيضا أو زيادة في العضو شاسي لي جسي شي لي حنفيت اللي ركوموندي دي برولونجي vraiment l'essuyer le lavage des avant-bras voilà لأنه يعتمد على الحديث الغر المحجلين فقالوا فليطل غرته mais ça c'est وعاجز الفور بنا ما لم يطل بيبسل أعضاء في زمان معتدل. La personne qui ne peut pas excéder une partie de l'ablution juste après l'autre peut reprendre où il a cessé si l'intervalle n'est pas long. Et ça dépend si c'est l'été ou il faut que le membre reste mouillé. Voilà, ça c'est la condition. Donc j'ai توضأت العضو ما زال مبلول ذهبت مثال وأجبت على 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 مكالمة ورجعت مازال العضو مبلول مبلل ووصل الوضوء. Donc j'ai fait mes ablutions et j'ai reçu un appel urgent. Subhanallah, ça nous arrive. Je peux arrêter le wudu, répondre à cet appel et revenir. Si le membre est encore mouillé, d'accord, donc je peux continuer. S'il est séché, dans ce cas-là, je dois refaire mes ablutions. Est-ce que c'est clair? Regarde cette facilité. Subhanallah. Donc, malgré, j'ai mélangé. Je suis dans une adoration. J'ai coupé l'adoration. J'ai arrêté de faire l'eau. Je suis parti pour une affaire mondaine. Et malgré tout ça, Allah t'a dit, c'est pas grave. Rahmat al-Islam. Elle dit Rahmat al-Islam. Ça, c'est la miséricorde de l'Islam.
ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. Alors, la personne qui se rappelle avoir manqué une partie wajib, un des piliers des actes des ablutions. يعني توضأت وبعد ساعة تذكرت أني لم أغسل الوجه. ماذا أفعل؟ Qu'est-ce que vous faites? بعيد الوضوء. إجابة أخرى. Une autre réponse. On continue par بغسل الوجه وخلاص. أيوة. أحسنت يا غسان. رحمة الوجه؟ أي فقط. ما نعيد الوضوء؟ لا. أنقول لك وقتاش تعيد تعيد. يطلع لي ميدالية. ميدالية. تستحق وهذا هو العلم. Donc, j'ai fait mes ablutions. Après une heure, disons une demi-heure, un quart d'heure, ah, il me manque le lavage de visage. Je fais quoi? Mes membres sont séchés et tout. Je reviens et je lave le visage et c'est bon, mon dos est valable. Je ne suis pas obligé de refaire mes ablutions. Il ne faut pas compliquer la vie. Subhanallah. Par contre, regardez ce cas, mais s'il s'en rappelle peu après ou en effectuant l'ablution, il devra accomplir la partie manquante, puis toutes les parties suivantes. Suis, ça nous arrive. Yatina, غسلت الرجلين. تذكرت أني نسيت الوجه. ماذا أفعل? J'ai fait mes ablutions, je suis arrivé jusqu'au pied. Mais soudain, je me suis rappelé. J'ai oublié le visage. Je fais quoi? Là, on a خلص الرجلين. J'ai fini les mes pieds. هاه؟ تغسل الوجه. ومن بعد اليدين. ومن بعد الشعر. ومن بعد الأذنين. ومن بعد الرجلين. لا مش الكل. Tu dois pas le تعيد من العضو الذي نسيته فقط. نسيته. هوي. شو ضل المقمضة ولا؟ لا. الفروض. فهمت عليك إنه وجه. بدك إيديك إجريك وجه. صار الوضوء كامل. تقريبا يعني. لو نسيت اليدين. J'ai oublié de laver les avant-bras. Qu'est-ce que je fais? Je recommence par les avant-bras, les cheveux et les pieds. Pas les sunan. Les sunan, je ne suis pas obligé de les répéter. Ça, on ne sait jamais. Hein? C'est une facilité pour nous, Inch'Allah. إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. Si cette personne qui a oublié un wajib de l'ablution a prié, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, alhamdoulilah, je me suis rappelé avant de faire la prière. Je peux corriger. Mais si j'ai fait la prière alors que j'ai oublié de laver le visage. Je fais quoi? Chez les Malikites. Ici, je parle de la doctrine Malikite. Peut-être dans d'autres doctrines, il y a plus de facilité. Chez les Malikites, la prière est invalide. Tu dois refaire ta prière. L'ablution, la prière. Voilà. Et donc, pour les ablutions, comme on a dit, oui. La règle est la même. Si j'ai oublié après une heure, le visage, je rattrape que le visage. Je lave que le visage, d'accord? Et je refais ma prière. Et celui qui se rappelle avoir manqué une de ces sunanes, j'ai fait ma prière et j'ai oublié de rincer la bouche. Alhamdulillah, devra la faire quand il s'en rappelle pour être mieux disposé pour la prochaine prière qui arrive. Donc, c'est la sunnah. Il n'est pas obligé de la faire. Mais il est recommandé. S'il est pendant la prière, il sort de la prière ou pas? Pendant la prière, bien sûr, sa prière, son wudu n'est pas valable. Donc, il sort. Et la prière, n'est pas, si le wudu est invalide, la prière est invalide. Donc il arrête la prière, bien sûr. C'est pour, seulement pour les obligations.
Oui, pour les Pour une sunna, obligations. non. Mais si tu as raté une sunna, c'est pour ça c'est important de ça de connaître. Hein? Là où nasit sunna, mais ça reste les femmes. La tu'id as-salat. Tu ne Vous continuez, si vous êtes dans la prière, vous continuez. Anta fi as-salat dhakart annak nasit al-fam. Dans la prière, ta pensée t'a dit, ah, j'ai oublié de rincer la bouche. C'est pas grave. Tu continues. Après, tu rinces la bouche. Rahma min 'indillah wa la. Salat al-'asr. Non. اجا وقت المغرب انت متوضي جيت صليت ونسيت حالك ما كنت متوضي بدك تعيد الصلاه تعيد الصلاه Vous avez une question? Alhamdulillah, on va s'arrêter ici. On a fini, alhamdulillah, les obligations, les sunan et les actions méritoires. Alors, des questions maintenant. Laver le visage, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est sunna ou méritoire? Une action méritoire. Obligatoire. Mettre le récipient à droite. Est-ce que c'est sunna, est-ce que c'est une obligation ou une action méritoire? Sunna, qui dit autre chose? Méritoire. Méritoire, c'est une facilité. Rincer la bouche trois fois. Il y a deux choses ici. Rincer la bouche est une sunna et trois fois, c'est une action méritoire. Le nez, l'aspiration et l'expiration, c'est une obligation, c'est une sunna ou bien une action méritoire? Sunna. Les pieds? Obligatoire. L'essuyage des cheveux, une fois. Essuyage des cheveux, une fois. Mas'h al-ra'si. Fard. Soldat, obligation. Obligation. Masha'Allah. Vous avez réussi. Tous, Inch'Allah. Barakallah fikum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, Inch'Allah. شكرا جزيلا. صلاه العشاء اذا متاخر خمس دقائق نصلي السنه الان بصير خمس عن قريب باش نولي نعطيو 10 دقائق لان الوقت خمسه صلي حد هاد الموجودين بس يعني ما هو الفيديو ان شاء الله نشوفوها ان شاء الله نتحدثوا مع خمس دقائق ما بتاكل وقت ويزمن النظام ان شاء الله. الله يكون السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا سيدي. بارك الله فيك أختي. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله فيكم إن شاء الله. شكرا. الله أكبر.